Bonjour. Vous savez quoi, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a dit: ça fait longtemps que t'as pas parlé en facecam. Et je me suis dit: bah oui, ça fait longtemps que je parle en facecam. How are you? I miss you. Hey baby. Mais déjà, faut que je vous raconte hier. Waouh, hier. Alors, c'était censé être une journée. Non, en vrai, c'était trop bien. Hier, c'était vraiment génial. Comme je vous ai dit, on a fêté notre anniversaire de mariage. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on a prévu plein de petits trucs à faire. Et en fait, d'un coup, on est tombé en panne sur l'autoroute. En scooter. Enfin, vraiment, là, d'un coup. C'est tombé en panne. Du coup, on s'est retrouvé comme ça à marcher avec le scooter. Et moi, avec ma grosse doudoune, comme ça. J'avais trop les nerfs. J'étais trop saoulée. Du coup, bon, c'était un peu un petit faux pas de la journée d'hier. Mais c'est trop bien fini. C'est génial, on a trop rigolé, on a trop bien mangé, on est parti manger coréen. C'est délicieux. Enfin, vous savez, la musique film coréenne, mais comme ça. Et monsieur Mohamed s'est envolé pour l'Algérie. En fait, je pense qu'il a plus passé de temps en Algérie qu'en France cette année. Mais du coup, il s'est envolé pour l'Algérie ce matin. C'était une longue matinée. Enfin, une longue nuit pour moi. Parce qu'en fait, mon job, c'était d'être son alarme. Parce que lui, si je laisse indépendant avec son réveil, il ne va jamais se réveiller. Ça aurait été le cas si j'étais pas là. Du coup, mon cerveau a compris qu'il fallait que moi je me réveille pour aller prendre un vol. Du coup, je me suis réveillée une centaine de fois. Et j'en peux plus, je suis fatiguée. Du coup, je l'ai réveillé à 4h. Il est parti à 5h. Il a décollé à 7h. And I'm all alone. Mais dernière semaine, du coup, avant le grand départ. Je vous raconterai ça un autre jour.